Allô inspecteur, avant de commencer, rappelez-vous bien que tous les policiers apportent dans leur enquête des compétences diverses, qui auront un impact sur le déroulement de celle-ci. Certains peuvent soutirer n'importe quoi à un témoin, d'autres sont des experts dans leur quête de pièces à conviction, d'autres travaillent mieux en équipe et quelques-uns sont tout simplement plus rapides que tous les autres. Quels sont vos talents à vous Hé hey Polly, Il me faut des flics et une ambulance dans le secteur 4 au bord de la piste cyclable. Il y a une femme descendue. Ah, c'est bien ce qui me semble. Hein. Allez, bouge-toi, mon pote Le corps a été découvert tout à côté de cette allée, à 6h30 environ, par un employé chargé de l'entretien du parc, probablement quelqu'un qui faisait son jogging de bon matin. Je dirais que c'est arrivé peu de temps avant que le type de l'entretien ne la trouve. Pas de blessure ni de sang, on dirait qu'elle a été... Vous avez trouvé l'arme Non, mais elle a de drôles de marques sur le cou. Assassiné avec son collier. Elle se pourrait bien, mais ben, je ne connais personne qui court avec ses bijoux. Il n'y avait pas de témoins Non, en tout cas pas ceux qui traînent par ici. Mais ça a l'air d'une allée drôlement fréquentée, surtout par des gens et leurs chiens, à en juger par les empreintes. Vous avez vu comme ses branches penchent On dirait qu'elle a essayé de s'enfuir. Son agresseur l'a suivi et l'a saisi juste derrière ses buissons. J'ai votre employé qui attend à côté du camion. Il y a des matins où je ferais mieux de rester au lit. Exportons tout ce qui peut nous sembler utile dans cette affaire. J'ai pas envie que Van Buren nous réexpédie ici encore une fois. Je suis l'inspecteur Briscoe. Mon partenaire et moi, on a des questions à vous poser. Environ à 4h45, à côté du réservoir. Ben, je crois qu'elle parlait à une femme. À ben, la femme Non, non. Mais celle qui a été assassinée, ouais, je l'ai vue plusieurs fois. Un petit crack de Wall Street. Hein. Je lui ai demandé des tuyaux boursiers, des fois. En général, elle me disait de laisser tomber et que je ferais mieux de placer ça sous mon matelas ou dans les biens fonciers. Ben, moi, les seuls biens fonciers que je puisse me permettre, c'est dans le sud du Bronx. C'est le resto de la 93ème rue pour la pause café, mais ne le dites pas, à mon chef de service. Sûr Un crack de Wall Street, hein Elle aurait dû me dire de garder mon fric sous le matelas. Qu'est-ce que c'est Si vous pensez que cela pourra nous servir plus tard, je ferai mieux de le ranger dans le fichier de l'affaire. demande si on pourrait l'utiliser. Ça ressemble à ceux d'un chien. C'est peut-être notre seul témoin. qu'on passe à côté de quelque chose. C'est peut-être une compagnie avec laquelle elle faisait des affaires. Connaissiez cette femme elle s'appelait Ross. elle gérait les placements ici comment est-ce que c'est arrivé c'est peut-être seulement un vol hein tous ses collègues ici l'aimaient elle avait l'esprit d'équipe on aura besoin de la liste des gens impliqués dans toutes les affaires qu'elle traitait nos clients sont des individus discrets qui n'aiment pas faire de publicité sur leurs dividendes. Et je suis sûr qu'aucun d'eux ne voudrait paraître en justice, hein <laughs> Tout au contraire. Jusqu'à ce qu'elle quitte la société il y a quelques semaines, elle comptait parmi nos meilleurs directeurs financiers. Elle disait qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour elle-même. Il y a beaucoup de stress dans ce boulot. Elle ne nous a jamais parlé d'aucun parent. Elle vivait seule dans la 78e rue. Vous pourriez parler à son avocat si ça peut vous servir. Il s'appelle Saïd Singh, du cabinet Singh Wolf ⁇ Singh. Je me souviens d'avoir lu un article concernant cette firme Gower, à peu près quand la victime a quitté son boulot. On a eu votre nom par Leonard Gower. Jenny a été viré. Des bruits se sont répandus concernant des transactions irrégulières sur sa dernière opération d'offre initiale Bionorme Industrie. Les valeurs de la société sont tombées de 55 points en deux heures. Ses épargnants ont été massacrés. Le marché n'apprécie pas les mauvaises nouvelles. L'indice du Dow Jones a baissé de 9% ce jour-là. Encore un mauvais jour pour Wall Street. Les gens en ont pris l'habitude maintenant. Le département de justice a conduit une enquête sur l'incident. Elle a été appelée à comparaître comme témoin. Vous pouvez vous imaginer, inspecteur. Nous avions rendez-vous cet après-midi. Elle avait des preuves qu'elle voulait me montrer. On n'avait pas encore décidé. Il y avait des choses dont nous n'avions pas encore parlé. À Wall Street, la frontière entre l'éthique et la fraude est ambiguë. Je sais qu'elle avait peur. Je pense qu'elle ne s'était pas encore entièrement décidée. On dirait que quelqu'un a pensé qu'il valait mieux décider pour elle. Il va falloir que vous leur en parliez. Est-ce que sa fille a été prévenue On ne savait pas qu'elle en avait une. Il nous faut son nom et son adresse. Le nom de sa fille est Lori Ross et je crois qu'elle vit à Manhattan. Parler aux fédéraux, c'est comme déplacer des montagnes. Peut-être que le lieutenant pourrait nous aider avec eux. Peut-être qu'il y a quelque chose, à part la dernière affaire de la victime, à avoir inquiété les gens. Mais vous allez devoir commencer avec ceux qui ont perdu de l'argent sur cette affaire-là. Et commencer par ceux qui ne pouvaient réellement pas se le permettre. Vous pensez que l'assassin est un mauvais perdant ou bien un heureux gagnant avec quelque chose à cacher. En attendant, je vais aller parler aux fédéraux. Oui, c'est Paul Kim du Labo. Euh, les analyses que vous avez commandées sont prêtes. Si vous voulez qu'on les regarde ensemble, passez donc nous voir. Hé, hey, je viens juste d'entendre qu'un autre investisseur en faillite a tenté d'assassiner son broker. Ça ressemble à une vraie épidémie par ici. Merci de passer nous voir. De quelle pièce à conviction voulez-vous qu'on parle d'abord J'ai tiré deux empreintes digitales de la bouteille. L'une d'elles, c'était celle de la victime. L'autre correspondait à un certain Bobby Sloan. Ces empreintes étaient dans un fichier au bureau de l'immigration. Il a un permis du département des parcs comme vendeur de café. Vous empruntez sur la bouteille de la victime, l'immigration nous les a donnés. J'aime l'Amérique, paye la liberté, aussi longtemps qu'ils savent toutes vous. Hein à 4h30 à peu près, elle était assez régulière, comme la plupart de mes coureurs du matin. Vous étiez probablement l'un des derniers à l'avoir vue vivante. Comment pourrais-je savoir Je vois un dollar pour le café c'est tout ce qui m'intéresse. À part ça, ces accros de l'exercice physique ne courent pas partout avec leur compte en banque en durant dans la brise. Écoutez, j'ai beaucoup de monde. D'accord, je crois qu'il y avait un type avec un chien qui lui parlait. Comment je peux savoir Juste un chien, mon gars. Peut-être bien un rouge, je crois. Non, ma machine s'est cassée pendant que je préparais un café laté. Mais je sais pourtant qu'il ne semblait pas heureux. Je crois que je pourrais. Ouais, je pense. J'étais au téléphone en train d'appeler mon fournisseur pour qu'il m'envoie le dépanneur. 5 5 Je pense que le juge voudra voir ce rapport si plus tard nous lui demandons un mandat d'arrêt. Vaut mieux le mettre dans le dossier de l'affaire pour qu'on l'ait à ce moment-là. Si c'est au sujet de ma mère, je suis déjà au courant. Par où voulez-vous que je débute La liste est longue. Oui, on commence à s'en rendre compte. Ma mère et moi, on ne s'est pas parlé depuis 4 ans. Quand mon père est mort d'une crise cardiaque, il m'a laissé l'appartement. Ma mère m'a traîné en justice pour l'avoir. Oui, clair comme de l'eau de roche. Probablement les écureuils, oiseaux, clochards, quelques colporteurs de drogue, la distribution habituelle du parc. Voyez si vous pouvez vous souvenir d'autre chose que vous auriez vu, vous faudra peut-être une meilleure réponse. En attendant, on est désolé de votre perte. Vous êtes bien parmi les seuls. Pour une coéquipière aussi aimée de ses collègues, la victime avait quelques défauts qui auraient fait la joie des tabloïdes. Mais j'ai du mal à voir la fille tuant sa mère pour l'appartement. C'est Van Buren. J'ai parlé à un abruti au FBI. Il m'a dit qu'il ne lâcherait aucun détail de l'enquête sur les transactions de la victime, parce que c'est une affaire fédérale. Ils disent que c'est à cause de ça qu'on vous appelle des gardiens de la paix. Oui, c'est Maître Singh, l'avocat Jenny Ross. Avec toute cette critique à la va-vite contre Jenny, j'aimerais que vous sachiez qu'elle avait réellement des remords vis-à-vis -vis des gens qui avaient suivi des pertes. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle était prête à parler aux gens du ministère de la Justice. Mort par strangulation. Elle avait un larynx écrasé, une trachée fracturée. Je dirais que votre assassin est drôlement costaud. D'autres blessures Un poignet cassé, là où elle portait sa montre quartier. Elle se l'est cassée en se débattant Peut-être, ou alors elle était mécontente de ses résultats à la course. Quand je suis mécontent, je vais au bar de Malais au coin de la rue. Vous ne buvez plus du tout. C'est pour ça que je suis mécontent. Vous savez, cette femme était en excellente condition physique. D'après l'aspect de ses pieds, c'était probablement une très bonne coureuse. Aucune trace de voûte plantaire affaissée. Je savais pourquoi j'ai laissé tomber la gym. Toutes les preuves touchant au cadavre sont juste là. Vous avez toute liberté d'y jeter un coup d'œil. cadran fêlé, la montre s'est arrêtée à 5h15, ce qui confirme mon estimation quant au moment de la mort. De la salive séchée du côté gauche de la ligne de la mâchoire, mais aucun signe de régurgitation chez la victime. J'ai gratté ses cheveux de sous les ongles de la victime. Ils ne correspondent pas à la couleur de cheveux de la victime. Des traces de métal sur le cou correspondant à une chaîne quelconque. Pas certaine de savoir quel en est l'alliage. J'ai extrait un échantillon de sang de la victime si vous voulez le faire analyser. C'est un vol, l'assassin n'a peut-être pas eu le temps de fouiller le corps pour trouver de l'argent. Peut-être qu'il y avait des gens dans le coin. Voici le rapport officiel de l'autopsie. Il contient au fond ce que je vous ai dit quand vous êtes venu pour la première fois. Son bureau est solidement fermé. Elle un coffre et je parierais que c'est pas là qu'elle garde son maquillage. Hein. J'aurais dû m'en douter. Ces fanas de la forme, tous obsédés par leur jogging. On dirait le contrat de propriété de cet endroit. C'est pas non plus la signature de Jenny Hmm. Ce boulot vous a-t-il jamais permis de vous sentir comme un balayeur de rue? Peut-être que Lucie était si angoissée de ne pas trouver Rose ici qu'elle est allée la retrouver dans le parc. nous avons juste quelques questions monsieur corkran jenny environ six ans je ne peux pas croire que quelqu'un fasse ça pas vraiment elle aimait le succès mais tout le monde aime ça dans ce business c'est un milieu extrêmement compétitif ils sont tout le temps en train de chercher le prochain grand coup Je lui ai acheté ça parce que je pensais qu'un jour... Enfin, nous étions très amoureux à l'époque. Non, non, non. Nous étions tous les deux d'accord que c'était mieux comme ça. Nous avions décidé de ne pas nous voir pendant quelques mois. Je comprends. J'étais à la maison, seul, en train de travailler. Je vérifie sur l'Internet les marchés européens tous les jours à la même heure. Tous les matins, Jenny était une coureuse de marathon, toujours en entraînement. Je lui ai dit qu'à cette heure-là, elle devait emprunter les rues, pas le parc. Un chien Non, Jenny avait horreur des animaux. Ok, vous me tiendrez au courant quand vous aurez découvert le responsable. Hein Bien sûr, si vous pensez à autre chose, appelez-nous. Si la victime était si futée pour les questions d'argent, pourquoi a-t-elle laissé partir un papa gâteau comme ça Juste un mot d'avertissement, inspecteur. Je pense que vous négligez la médecine légale. Passez en revue les indices que vous avez et essayez de voir comment le labo criminel peut vous aider. Ici Van Bjoran avec une petite suggestion. Retournez à l'appartement de Ross et trouvez-moi quelque chose sur lequel je puisse travailler. Van Bjoran à l'appareil. N'oubliez pas Donovan, votre industrieuse petite souris aux archives. Donovan adore fuir né dans les dossiers de Jean. Je le mettrai tout de suite au travail si j'étais vous. J'ai lu quelque chose sur votre enquête. Ces brokers-là ont réussi à bien s'en sortir, avec le meurtre. Moi... J'ai perdu 50 000 dollars sur ce que mon broker me promettait de gagner facile. C'est pour son portefeuille que ça a été facile, avec tous les pots de vin qu'il a probablement dû se faire. Il y avait tellement de gens furieux contre lui que le type a dû quitter la ville. Maintenant, il est probablement en train de soigner son bronzage avec mon fric. Allô, c'est Paul Kim du labo criminel. Les analyses que vous avez commandées sont faites. Euh, je suis là si vous voulez qu'on en parle. Ici de Nevan, des archives. Je crois que j'ai fouillé tout ce que j'ai pu pour l'instant. Passez donc quand vous voulez et venez jeter un coup d'œil. Merci de passer nous voir. De quelle pièce à conviction voulez-vous qu'on parle d'abord Les cheveux retirés sur ces ongles n'appartiennent pas à un être humain. Ce sont des poils. À mon sens, ils viennent d'un chien. La salive sur son visage semble venir d'un chien. Son sang contient les traces d'un antidépresseur le Paxil, ainsi que du Benadryl, un anti-allergène commun. Et puis aussi un degré d'alcool très élevé, probablement du don pérignon, mon favori. Son estomac montre encore les traces d'un repas extravagant. Je ne crois pas qu'elle l'ait commandé la nuit précédant sa mort. Vous voulez le menu Content de vous voir, il y a quoi aujourd'hui sur votre liste Eh bien, Sloan a émigré de Jamaïque en 1991. Il s'est tenu tranquille et a reçu la citoyenneté américaine en 1999. Il a travaillé comme chauffeur de taxi dans le bâtiment et puis comme vendeur au marché aux poissons de Fulton Street. Il a dû aimer ça parce qu'il utilisait le faux nom de Sharky Hoyt quand on l'a arrêté pour avoir dirigé une affaire de Paris illégaux de sa charrette de vente, la même que celui qu'il utilise maintenant à Central Park. Son avocat l'a tiré de là avec une amende. La charrette appartient à la city approvisionnement de denrées et ils ne l'ont pas envoyée. Oui, l'avocat aussi doit leur appartenir, si vous voyez ce que je veux dire. Sloan est marié, il a deux enfants. Écoutez ça. Il habite à Hoyt Street, à Brooklyn. Ah Dieu Ce type, soit il se croit très drôle, soit il a un vocabulaire extrêmement réduit. On a pu remonter la filière de la clé jusqu'à un coffre-fort appartenant à Jenny Ross. Aussi bien Ross que Bart Cochrane y avaient accès. Le jour précédant le meurtre, Bart Corcoran est arrivé au coffre à 10h du matin. Jenny Ross, elle, est arrivée au coffre à 2h de l'après-midi du même jour. Qui sait ce qu'il cherchait Même d'après la banque, le coffre est maintenant vide. Ça me semble suspect. Vous avez oublié de mentionner plusieurs choses monsieur Cochrane comme le coffre-fort par exemple vous ne m'avez pas posé la question Jenny et moi on partageait beaucoup de choses j'avais ma propre clé J'avais quelques documents dont j'ai eu besoin c'est tout Je ne savais pas à ce moment-là Je n'aime pas vos insinuations, inspecteur. Non, j'ai eu de la chance et j'ai vendu à temps. Toutes ces valeurs high-tech à la mode me mettent mal à l'aise. Je l'ai dit à Jenny. Dommage qu'elle-même et ses épargnants ne vous ont pas écouté. Si vous cherchez des motifs, il y a des tas de gens qui n'ont pas aimé ce qui s'est produit. Son amie Lucy Train m'a appelé hystérique une nuit, elle avait tout perdu et disait que Jenny ne la rappelait pas. Ouais, restez dans les parages et rappelez-nous. Mon ex me dit toujours qu'il ne faut jamais mélanger les questions d'argent et les problèmes matrimoniaux. Dommage qu'elle ne se soit pas souvenue de ça lors de notre procès en divorce. Allons parler. Lucie Train. est-ce qu'il n'y avait pas dans l'appartement de la victime un mot d'une certaine Lucie Et c'était pas non plus une lettre d'amour. Ou ce type corcran est né sous une bonne étoile, ou la victime avait quelques clients à qui elle voulait faire plaisir pour qu'il continue de jouer avec elle. Cette fille Jenny pouvait avoir son propre petite affaire à côté. Les fédéraux ne sont pas prêts à me donner des renseignements sur elle. Mais ils appellent un grand nombre de ces offres initiales des pompes à prix. Les brokers font gonfler les valeurs avant qu'elles ne soient émises, et les prix plafonnent quand elles touchent le marché. Le nombre n'apparaissent pas. La bulle spéculative explose. Et les actions plongent. Pendant ce temps, les gros acheteurs ont vendu au prix fort après un coup de fil de leur broker, et le reste public n'a plus que ses yeux pour pleurer. Comment se fait-il que j'ai pas réussi à avoir un courtier comme elle Inspecteur, j'ai une courte réflexion à votre intention. Retournez là-bas et voyez si vous pouvez recueillir autre chose d'un témoin à qui vous avez déjà parlé. Il arrive qu'une seconde visite de la police amène un témoin à extraire un petit détail de sa banque de données. Ici Laurie Ross. Écoutez les gars, je sais que vous faisiez votre boulot quand on s'est parlé. Je ne suis généralement pas aussi désagréable avec les gens. Sauf quand il s'agit de ma mère. Mais peu importe ce que je pensais d'elle. J'espère que vous arrêterez celui qui l'a tuée. Nous avons vu la note que vous avez laissée à Jenny chez elle. Je savais qu'elle avait été renvoyée. Elle ne me retournait pas mes appels. J'ai laissé un mot parce que je m'inquiétais pour elle. J'étais inquiète. J'avais déjà fait de l'argent avec Jenny. J'avais confiance en elle. Je ne comprenais pas. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Bah, ben, on dirait que personne ne comprend. Non Vous pensez que ça a quelque chose à voir avec son meurtre Et vous Je suppose qu'on était tous heureux tant que les bons moments ont duré. On voulait croire que ça durerait éternellement. Jenny arrivait aussi à vous le faire croire. J'imagine que ça faisait partie de son boulot. Pas depuis longtemps. Je suis allée chez elle le soir avant sa mort, mais quand je suis arrivée, elle sortait d'un taxi avec Bart Corcran. Ils se disputaient. Je ne voulais pas les déranger, alors je suis partie. Mais ben, je pense qu'ils ne se disputaient pas au sujet de la transaction, vu que Corcran avait retiré son argent avant que la cote ne dégringole. Et apparemment, il n'était pas le seul. Vous pensez qu'elle les a prévenus Je suppose que j'étais juste une bonne amie avec un petit PQ et son riche investisseur à lui ramener avec qui elle aurait pu faire de bonnes affaires. Alors vous aussi vous courez Mes genoux sont fichus. Je dormais seule. Oh non, elle était extrêmement allergique. Elle sortait de son parcours pour les éviter quand nous allions courir. Tout le monde veut être de la fête jusqu'à ce qu'il se réveille avec la gueule de bois. Arrêtons-nous au commissariat. Qui n'a pas eu de motif Mais ce corps crâne a menti en prétendant avoir vu la victime. Vous devriez essayer de découvrir pourquoi. Ici Berthès du Daily News. J'ai des éléments concernant l'affaire des OPA bionormes de Jenny Ross. Il paraît que les fédéraux vont engager des poursuites contre toutes les sociétés d'investissement qui ont amené ces valeurs sur le marché. Ok, inspecteur, le lieutenant à l'appareil. J'étais en train de passer en revue les fichiers de l'affaire qui vous occupe. Je pense que vous avez enfin une présomption suffisante pour une perquisition. Demandez donc un mandat qui vous permettra d'aller jeter un coup d'œil. Non, pas encore. Je vous ai dit tout ce dont je me souviens. Peut-être qu'un petit voyage au poste rafraîchirait votre mémoire. Je suis en état d'arrestation Seulement si vous refusez, mais je vous promets que la vie n'est pas belle et le café est minable. On vous a vu avec Jenny la veille de sa mort. Vous nous avez dit que vous ne l'aviez pas vue depuis des mois. Je sors avec quelqu'un. Je ne voulais pas que ma nouvelle petite amie s'inquiète de ce que j'ai revu mon ancienne copine. On ne peut pas appeler ça une querelle. Réfléchissez mieux. Écoutez, Jenny ne pouvait pas croire que c'était fini entre nous. Elle me téléphonait sans arrêt. Ça prouve quoi Elle vous avait sorti de Bionorme à temps et maintenant qu'il n'y avait plus rien entre vous, elle allait vous livrer aux fédéraux et organiser avec eux un petit arrangement privé. J'ai rien à cacher en ce qui concerne mes investissements boursiers. Il y a beaucoup de gens comme ça. Allons, qu'est-ce qui s'est passé Vous faisiez du souci, alors vous l'avez rencontré dans le parc, hein Pas de portable, pas d'email. Vous n'aviez pas l'intention de la tuer, mais la situation s'est aggravée. J'ai rien d'autre à ajouter avant de parler à mon avocat. Il avait l'air drôlement nerveux, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai l'impression que Bart Cochrane nous cache quelque chose. Allez voir ce que vous pouvez trouver dans son appartement et moi de mon côté, je vais amener le juge à vous signer un mandat de perquisition. Bart Cochrane, un mandat de perquisition pour ses locaux C'est ridicule. J'ai des amis dans le bureau de l'accusation. Hein. Ouais, probablement plus que nous. Reculez s'il vous plaît et laissez-nous faire notre boulot. Regardez donc ce qu'on a là. que maintenant ils font un mot de passe même pour utiliser les cabinets. peut-être se révéler utile pour l'enquête. Van Buren à l'appareil. Je ne suis pas un voyant pour vous dire qui est l'assassin, mais j'ai la sensation que quelqu'un que vous avez déjà vu a encore des petites choses à vous dire. C'est Lucie. S'il y a un malade qui assassine les femmes à Central Park, je vais aller me balader ailleurs. Prévenez-moi s'il vous plaît quand vous aurez attrapé le type. Vous serez heureuse de savoir que Bart Corkran pense encore à vous. Il garde même un album de photos. C'est terminé entre nous depuis très longtemps. Si vous voulez savoir si j'étais encore fâchée après lui, la réponse est non. Ça m'est passé. Je suis surprise qu'elle l'ait laissé. Ma mère ne renonçait pas facilement quand elle voulait quelque chose. Non, je n'aime pas les chiens. Il semble juste que je tombe amoureuse d'eux. L'argent n'est peut-être pas le motif après tout. La victime a volé l'amant de sa fille et a traîné la gosse en justice pour un appartement. Les valeurs familiales ne sont plus ce qu'elles étaient, hein. Je me demande si on pourrait l'utiliser. Nous avons fait les vérifications que vous aviez demandées. Par où commençons-nous Que le truc que le pathologue utilise à la morgue. Je n'ai rien pour vous ici. Remplissez une demande si vous voulez qu'on fasse une filature et on s'en occupera. Allo, c'est Donovan des archives à l'appareil. Les recherches que vous nous avez demandé de faire sont prêtes. Passez donc et je verrai avec vous le rapport. Nous avons fait les vérifications que vous aviez demandées. Par où commençons-nous Plein d'emails de Jenny Ross à Corcran, l'implorant pour qu'ils se remettent ensemble. Rien d'autre d'intéressant. Corcran avait un petit ordinateur et ne conservait pas la plupart de ses mails. Il était peut-être nostalgique en ce qui concerne votre victime. Il avait des mots de passe pour tous ses comptes Internet. Alors la machine fonctionne lentement. Je vais garder mes gars sur ce travail. Et je vous ferai savoir si on trouve quelque chose qui semble avoir un rapport avec l'enquête. Oui, il semble que quelqu'un ait essayé d'effacer les renseignements. Mais on réussira certainement à en récupérer une partie. Il manque encore des renseignements sur qui a réussi à sortir de l'OPF à temps. Tous jouaient beaucoup d'argent. Mais nous avons quelqu'un à qui il semble que ça lui était égal, alors qu'il avait investi un million de dollars. Une entreprise qui s'appelle LNG Associée. Eux non plus ne sont pas très satisfaits. Je ne l'ai jamais rencontré, mais on faisait tous des affaires sur certaines de ses opérations boursières. Stanton nous a dit que c'était une battante. Pendant un moment, c'est vrai qu'elle l'était. Quelques nouvelles ont filtré sur les offres initiales bionormes, et les valeurs ont plongé en une heure et demie. Il fallait qu'on bouffe nos pertes. Ça nous a pratiquement lessivés. Ouais, j'ai dû me saouler. Mais Stanton est la nerfs d'acier. C'est que c'est soit le paradis, soit l'enfer, rien au milieu. Vraiment moche pour Ross. Elle sera revenue tôt ou tard à sa tendance gagnante. Lisez le règlement, inspecteur, c'est illégal. Ouais, c'est bien ça. En salle de musculation, j'aime prendre de l'exercice avec l'air conditionné. Et vous deux, vous cherchez de l'action J'ai une petite société biotech qui sera le prochain gros coup sur les vaccins immunologiques antigermes. J'aurais pu utiliser ça contre l'avocat de ma femme lors de mon divorce. À la place, je prendrai la photo de Stanton. Je me demande pourquoi ce Stanton était tellement confiant. On aimerait savoir comment vous n'avez pas réussi à échapper au désastre de Ross sur l'offre de billets normes. Comment aurais-je pu Les nouvelles ont frappé. Tout le monde a commencé à paniquer. Il n'y avait nulle part où se dérober au bain de sang. Environ 50 000 dollars. Ça, c'est un chiffre. C'est comme ça qu'on joue à ce jeu. Parfois on gagne, parfois on perd. De réputation, lisez les journaux financiers, les statistiques. Elle s'y connaissait. Ça valait la peine de s'accrocher à ses baskets. Si vous voulez savoir si elle a payé un chiche pour coin l'épaule, je n'ai eu aucun effort à faire pour promouvoir ses opérations financières. Sa renommée était suffisante pour nous tous. <laughs> Des boîtes de fichiers sont tombées d'une étagère de mon armoire. Non, rien de sérieux. Bien sûr, mais je n'en ai pas. Juste le moment où j'appuie sur mon réveil. Et je dors seul ces jours-ci. C'est pas que j'aime ça, mais les femmes, vous rendez-vous compte Je suppose que les femmes ont le tempérament des marchés boursiers. On aurait plutôt retourné au commissariat et se présenter avant Buren. Stanton aurait maintenant dû savoir que la victime a sauvé la plupart de ses gros clients, mais les a fait sauter lui et ses collègues. Et pourtant, il transpire à peine. Je l'examinerai plus tard. Trouve pourquoi Stanton en pince tellement pour la victime. C'est peut-être pas seulement à cause de ses investissements. Secoue la tirelire et vois ce qu'il y a là-bas, en plus du fric. Van Buren à l'appareil. Demandez à Rollins de filer tous les suspects possibles. L'un d'eux trébuchera peut-être sur ses propres mensonges. Regardez bien cette photo. Dans mon pays, vous êtes des polices ou vous êtes homme mort. En Amérique, vous aidez la police si on vous aide. Alors, je vous écoute. Hé, je lis l'anglais. Et tout ce que je vois, c'est que vous avez une flopée de numéros et de noms. Si vous voulez me faire peur, faudra vous donner un peu plus de mal. Eh, hey, faut bien que je fasse de l'argent comme je peux Vous devriez arrêter vos petits jeux et nous dire si c'est le type que vous avez vu avec la victime, et nous on demandera au procureur d'y aller mollo avec vous. Ouais. Ouais, c'est bien lui. Ouais, le café latte du gars m'a abîmé ma machine et m'a coûté un revenu de deux heures. Ne songez pas à prendre l'avion pour voir la maman. On peut avoir besoin de vous pour raconter ça à un jury. je pense que m nardacier est sur le point de tomber en liquéfaction merci de descendre jusqu'à chez nous je suis toujours contente de donner mon point de vue Votre victime a déjà été envoyée à la morgue, mais la preuve qu'on a trouvée se trouve encore là-bas. Allô, c'est Donovan des archives à l'appareil. Les recherches que vous nous avez demandé de faire sont prêtes. Passez donc et je verrai avec vous le rapport. Content de vous voir. Il y a quoi aujourd'hui sur votre liste Les relevés de Stanton montrent quatre appels par jour passés depuis son guichet commercial à la maison de la victime, entre le crash de l'offre initiale et la veille du meurtre. Stanton a dû vendre la plupart de ses biens pour couvrir l'appel de marge. La semaine dernière, il a fait un emprunt sur son appartement. Marié depuis 10 ans, Eva Stanton, a divorcé il y a 5 ans, pas d'enfant, depuis 3 ans, à LNG. 14 opérations majeures sur les opérations financières nouvelles de la victime, toutes gagnantes, a travaillé avant ça dans les finances de l'Union syndicale des transporteurs de produits agricoles. Et avant ça, il était broker bas de gamme dans deux petites sociétés qui sont tombées pendant, vous savez ce que les optimistes aiment appeler, la correction. Content que vous soyez passé. Par où est-ce qu'on commence Le suspect a quitté son appartement à 8 h du matin et a pris un taxi pour le 170 de la 28e rue. Il est entré dans un hôpital vétérinaire appelé le Royaume des Animaux et le suspect est ressorti de l'immeuble à 8 h 45 en portant une petite boîte recouverte de papier d'emballage. Le suspect est revenu chez lui en taxi. Arrivé à 9h10, le suspect ressortit à 9h30 et a pris le métro pour son bureau au 183 de la rue Water. Un vêtement et une boîte. D'où Jésus. Les cendres de son chien. Je parierais que c'est notre bingo qui est parti en fumée. Monsieur Stanton adorait ce chien. Un sept heures, il endait. Quel dommage Elle est entrée dans un armoire et a accidentellement avalé de la mort au rat. On a essayé de la sauver, mais il était trop tard. Alors, on l'a endormie et elle incinérée. Non, Monsieur Stanton a tout gardé. Elle avait un collier magnifique. En or, 24 carottes. Je lui ai dit qu'on avait des tas de chiots adorables à adopter qui aimeraient bien le porter. Bingo. Mignon, hein Bingo, c'est ça. Ok, inspecteur. Le lieutenant à l'appareil. J'étais en train de passer en revue les fichiers de l'affaire qui vous occupe. Je pense que vous avez enfin une présomption suffisante pour une perquisition. Demandez donc un mandat qui vous permettra d'aller jeter un coup d'œil. L'identification de Sloan, et relevés de Stanton montrent qu'il a fait plus de 20 appels téléphoniques à la victime entre le désastre et le meurtre. On a trouvé une plaque de chien bingo sur la scène du crime et Stanton fait frire son chien deux jours après pour se débarrasser des preuves. Le type a dans le passé fait beaucoup de fric avec la victime et puis il s'écrase sur sa dernière opération. Et ses rapports financiers montrent qu'il court très au ras des pâquerettes alors qu'il prétend être en grande forme. C'est suffisant en ce qui me concerne. Je ramène le mandat, et vous, vous rendez une visite officielle à Stanton. Nous avons un mandat de perquisition, monsieur Stanton. Pouvez-vous, je vous prie, vous éloigner de la porte Hé, hey, vous ne pouvez pas entrer comme ça et violer mon intimité Oui, on peut. Lisez donc les petites lettres. Soit vous avez une petite amie avec une mauvaise teinture, soit vous avez un chien dont vous avez oublié de nous parler. Gardez ce revolver pour les actionnaires malheureux. Quand j'étais gosse et que mon chien s'est mis à prendre de l'âge, mon paternel m'a menti et m'a raconté qu'on l'emmenait vivre à la fin de sa vie dans une ferme. On dirait que Bingo lui aussi y a droit. Votre cafouti préféré à l'appareil Sloan. Et j'ai vu un chien l'autre jour, comme celui du type qui était avec la dame de Wall Street. Il m'a raconté que c'était un Setter irlandais. Peut-être que ça pourrait vous aider. type s'est vu attribuer plus de récompenses que Mère Teresa. Hmm, intéressant. 180 dollars pour du maquillage Merci de passer nous voir. De quelle pièce à conviction voulez-vous qu'on parle d'abord La boîte contenait une pochette à fermeture éclair avec les restes calcinés d'un chien, ainsi qu'un collier de chien en or de 24 carats. Nous avons trouvé des traces de peau enfoncées dans le collier et qui semblent correspondre à celles de la victime. Les analyses d'ADN n'en sont qu'au stade préliminaire. Les résultats finaux prendront quelques semaines, mais je dirais les gars que vous avez trouvé votre arme du crime. Ces poils sont vraiment ceux d'un chien, je dirais âgé de 6 ans environ, probablement une femelle. Le pistolet est à 9 mm, mais il n'a jamais été tiré. Les numéros de série ont été limés, travail de pro. Je doute fort que votre suspect ait fait ça. On en a tiré une empreinte partielle, mais jusqu'à présent, on n'a rien pu trouver de concordant. On va pourtant continuer nos recherches. Malheureusement, on n'est parvenu à aucune conclusion à ce sujet. Allô C'est Paul Kim du Labo Criminel L'identification, le chien mort, le collier du chien et la plaque à son nom. J'aime bien que mes accusés aient des motifs. Elle ne retournait pas ses appels. Il était paniqué par l'état de ses finances. Il avait perdu une petite fortune. Alors il l'a probablement suivi au parc, ils se sont querellés, il a explosé et puis il l'a tué. Et le rapport du médico légal Les poils du chien coïncident, il a utilisé son collier pour l'étrangler et la plaque au nom du chien est tombée au moment où elle s'est débattue. Le vêtement peut témoigner que le chien de Stanton avait un collier en or et que son nom était Bingo, le nom inscrit sur la plaque trouvée sur la scène du crime. Les traces de peau de la victime correspondent bien selon les résultats préliminaires d'une analyse ADN avec des traces trouvées sur le collier. Génial. L'ADN et l'analyse de poils, juste ce que l'avocat de la défense aime employer pour troubler le juge et intimider le jury. Bon. Dis à M. Stanton qu'on a une réservation pour lui à l'institution pénitentiaire de Rikers. James Stanton, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jenny Ah, je suis en plein milieu d'une transaction financière importante ici. Avec votre tendance à perdre, vous devriez nous remercier. Vous avez le droit de ne rien dire, mais si vous le voulez, tout ce que vous dites pourra être utilisé contre Souvenez vous. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Tous les avocats n'abordent pas leur dossier de la même manière. De par leur expérience, ils excellent dans des domaines différents. Certains connaissent les lois par cœur, d'autres savent comment demander l'aide de leurs supérieurs, certains aiment découvrir de nouveaux indices pendant le déroulement du procès et d'autres ne perdent tout simplement pas de temps. Choisissez vos points forts et puis mettez-les à profit en enquêtant encore un peu pendant les deux derniers jours qui vous restent avant le procès. Oh. Le ministère public requiert l'inculpation pour meurtre. Comment plaidez-vous, M. Stanton Non coupable. Le ministère public demande que soit versée une caution de la somme de 250 000 dollars. Votre Honneur, mon client est un membre influent de la communauté financière, sans casier judiciaire. L'inculpé est un meurtrier qui a brutalement assassiné une femme dans le parc alors qu'elle s'entraînait. Le ministère public tient le mobile ainsi que la <coughs> preuve liant l'inculpé au crime. L'avocat de la Défense s'emploie à faire refuter une preuve illégalement obtenue. Dans mon bureau, la caution de mise en liberté provisoire est fixée à 150 000 dollars. En attendant, l'inculpé est mis en détention. Le mandat de perquisition de la police incluait simplement les locaux de l'appartement de M. Stanton. La zone de courrier dans le lobby, là où le collier de chien a été trouvé, est un espace public appartenant à l'immeuble et non à M. Stanton. Stanton a menti à la police sur l'existence d'un chien. Ils en ont trouvé des preuves dans l'appartement. L'arme du crime, le collier de chien, a été trouvé dans une boîte marquée du nom de Stanton dans le hall tout à fait à côté de la porte de, de son appartement. Le lobby de l'immeuble n'était pas spécifié dans le mandat de perquisition. De ce fait, M. Stanton a dans ce cas qualité pour agir. Désolé. Je n'aimerais pas que la police vérifie mon courrier, simplement parce qu'il se trouve au même endroit que celui d'un suspect sur lequel la police est en train d'enquêter. Je m'emploie à faire annuler les charges contre mon client. Pas d'armes, ergo, pas d'affaires. Le collier sort. L'affaire reste cependant, mademoiselle sutherland, il serait bon que vous produisiez quelque chose qui appelle plus que des suppositions tout ce que vous avez est circonstanciel plein de gens ont perdu de l'argent sur l'opération financière de votre victime le mobile du crime n'appartient pas en exclusivité à stanton eh bien, nous avions l'arme du crime laquelle ne sera pas reconnue par le juge greenwood en vertu de la violation des droits constitutionnels des américains à soutenir les timbres peut-être que stanton avait un autre mobile alors trouve-le avant que son avocat ne le fasse. Oui, c'est Kim du labo. J'ai autre chose pour vous. On a un résultat sur l'empreinte digitale partielle qu'on a trouvée sur le pistolet. Elle appartient à un certain Barney Rugiero. Le type a une longue liste de vol et d'agression à son actif. Ouais, dans l'appareil Puisque nous recherchons le mobile du crime, vous devriez peut-être songer à recruter Galloway. Stanton sera probablement soumis à une évaluation psychologique maintenant qu'il est en détention. Le revolver, oui, je l'ai perdu il y a quelques semaines. J'avais pas envie de diriger la police, vous êtes tellement occupé et tout. On n'est pas si occupé qu'on ne pourrait vous coffrer pour possession illégale d'armes. Dites-nous seulement comment Stanton l'a obtenu. Un type d'où je travaille m'a dit que Stanton en avait besoin. UTP, le syndicat des transporteurs. Il y a à peu près un mois. J'ai oublié de demander. J'oublie. On peut arriver à vous faire oublier de garder des filles nues pendant quelques années, si vous voulez. Allez, il y avait juste une note posée sur le siège de mon camion avec le numéro de téléphone de Stanton. Ça dépend de ce que vous avez sur moi, n'est-ce pas Je vous écoute. Je me les gèle et j'ai une pause qui arrive. Et Donovan à l'appareil. On a examiné de plus près les coulisses des investissements de Stanton. Il a travaillé pendant 8 ans à la comptabilité de l'Union syndicale des transporteurs de produits agricoles. Il s'est élevé au rang de directeur des investissements pour leur fonds de retraite. Il les a quittés il y a 4 ans. Et il s'est placé pour la somme d'un million de dollars chez LNG. Ils doivent payer de jolis salaires à leurs employés. Ou alors, ils les payent bien quand ils partent, en échange d'un accord strictement confidentiel. Ou peut-être juste pour se taire, si vous voyez ce que je veux dire. On va continuer à fouiner et on vous rappellera. Wade, à l'appareil. N'oubliez pas votre équipe de soutien. Si vous êtes coincé, vous aimeriez peut-être donner à Rollins de la surveillance quelque chose à faire. Vous savez combien il a horreur d'être assis à son bureau. Nous comprenons que vous étiez à l'union syndicale au moment où M. Stanton y a travaillé. Et travaillait à la comptabilité. Notre information précise qu'il dirigeait votre fonds de retraite. Ouais, c'est vrai. Sacrément content là aussi. Sur moi et un tas d'autres gens du comité des finances. Pas ah, diable. Le seul truc qu'on était capable de voir, c'était si un certain mois, notre fonds de retraite piquait du nez. Chose qui n'arrivait pas très souvent. Ça m'est difficile à croire, avec un fonds qui valait à l'époque 15 millions de dollars. Je suis pas un homme de chiffres. Stanton surveillait le fonds, il montait bien. Ça nous convenait assez. Est-ce que je devrais Stanton et elle ont fait récemment un tas d'affaires ensemble. Elle devait être drôlement bonne à l'époque. Bien, elle est morte maintenant. Et vous pensez que c'est Stanton qui l'a tuée Bah, j'ai du mal à l'imaginer. J'ai entendu dire que la seule chose qui avait jamais fait sortir Stanton de Saigon, c'était un ticket de parking. Aucune idée. Ah, vous savez combien on a de membres Les types qui partent, nous on les suit pas à la trace. Hein. Quand on vous aime, c'est certain, il avait fait du bon boulot. Il semble que tout le monde aimait bien Stanton quand il gagnait de l'argent pour eux. Le docteur Galloway à l'appareil. J'ai composé un rapport sur votre témoin. Si vous voulez qu'on en parle, faites donc un saut à mon cabinet. Entrez, je vous prie. J'espère que ce que j'ai découvert vous sera utile. Stanton est une personnalité de type A, micro organisée dans chaque détail de sa vie. Un type qui ne se fit pas au hasard, y compris un homicide, ce qui indiquerait donc une intention délibérée. Je ne crois pas, je veux dire organisée dans ses vêtements, ses papiers, son armoire à pharmacie. Mais quelque chose arrive qui perturbe l'ordre et le type panique. Je pense qu'il avait peur. De perdre de l'argent. Non, il avait l'habitude de manier l'argent. Comme beaucoup d'accros du marché, il croyait aux vérités fondamentales. Tout ce qui descend doit remonter. On s'éclate en regagnant ce qu'on a perdu, comme un gros joueur devant les tables de Baccarat. Alors de quoi est-ce qu'il avait peur Je ne pourrais pas dire, mais je pense qu'il a encore peur. On dirait qu'il est content d'être sous surveillance policière, bien qu'il proteste encore de son innocence. Et vous pensez qu'il l'est. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense qu'il l'a probablement fait, mais pas parce qu'il était furieux de perdre de l'argent. Merci d'avoir fait un saut. Eh, hey, Rollins, de la surveillance à l'appareil. Je file votre type Barney Ruggiero, mais j'ai encore rien qui sorte de l'ordinaire. La Cour est maintenant réunie en séance. Dans l'affaire contre James Stanton, le ministère public est-il prêt à poursuivre Oui, votre honneur. Nous démontrerons qu'au matin du 10 mai, le prévenu James Stanton a tué Jenny Ross à Central Park. Le prévenu avait, par le passé, fait d'énormes bénéfices avec la victime, dans des affaires d'investissement boursier. Mais cette fois-ci, il a perdu une fortune et a cru qu'elle avait délibérément causé sa ruine financière. Pris de panique et fou furieux, il a abordé Jenny Ross dans le parc et l'a étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous entendrez les déclarations de témoins visuels et verrez les preuves médico-légales le plaçant sur la scène du crime avec la victime, le matin du meurtre. Nous démontrerons que James Stanton possédait le motif de ce crime ainsi que l'occasion de le perpétrer. Le ministère public prouvera au-delà de tout doute raisonnable que l'inculpé blâmait Jenny Ross pour ce coup de grâce financier et l'a donc brutalement assassiné. Vous pouvez appeler votre premier témoin. Ah euh, oui, oui. Oui, c'est l'homme assis là. Veuillez noter dans le protocole que le témoin a identifié le prévenu, James Stanton. Ouais, ouais, il l'était. Euh, non, j'étais occupé, mais le type semblait nerveux. J'appellerais ça à une dispute. Objection. La présence d'un chien n'a aucun rapport avec les faits. Votre Honneur, le ministère public montrera dans un témoignage ultérieur que la présence d'un chien est liée aux faits. Je vous y autorise pour l'instant, mais je vous engage à la prudence. Vous marchez sur des œufs. Le type avait un gros chien. Je vous remercie. Pas d'autres questions. Votre témoin, Monsieur Duncan. Apportez-vous votre témoignage dans le cadre d'un accord passé avec la justice Oui. Monsieur Sloan, combien de personnes font leurs achats dans votre buvette le matin en semaine Dans un bon jour, probablement 200. 200, mais ça fait beaucoup de monde. Et je suppose que vous vous souvenez toujours de... Objection, sujet à controverse. Objection accordée. Veuillez répéter votre question. Vous vous souvenez de tous les gens qui s'arrêtent à votre buvette De quelques-uns, quelques-uns sont des habitués, comme Isrous. Est-ce que M. Stanton était un habitué <laughs> Je ne suis pas sûr. Vous n'en êtes pas sûr Alors comment pouvez-vous être sûr que c'est la personne que vous avez vue, si ceux dont vous vous souvenez, vous les appelez vos habitués Et je m'en souviens parce que quand je lui ai fait un café laté, euh, ma machine s'est cassée. Je vois. Et quand cette machine s'est cassée, vous êtes-vous énervé j'ai du casque pour la faire réparer. Ça m'a fait des bénéfices en moins. Est-ce que vous essayez de réparer votre machine au moment où Miss Schwass et ce monsieur parlaient ensemble Ah euh, oui. Pas étonnant que vous n'ayez pu entendre le sujet de leur prétendue querelle. Bah ben, le type semblait pas heureux. Ça je m'en souviens. Cet homme n'était-il pas mécontent parce que quelqu'un essayait Objection, appel à conjecturer. Objection accordée. Il possible que cet homme que vous avez vu pouvait avoir l'air mécontent parce que quelqu'un cherchait à lui prendre sa place. Ah, je suppose, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Une dernière chose. Euh, beaucoup de vos clients ont-ils des chiens Vous n'en reviendrez pas de tout ce que je dois parfois nettoyer. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à poser. Nous nous connaissions depuis des années. Catégoriquement non. Jenny était allergique à mort aux chiens. Elle prenait même des médicaments pour ça. Une fois, dans une réception, le chien de quelqu'un lui a sauté sur les genoux. Il a fallu qu'on amène Jenny aux urgences. La seule façon pour elle de toucher un chien, c'était si elle ne pouvait pas l'habiter, ou bien s'il se passait quelque chose de profondément anormal. Non, pas vraiment. Elle parlait plus du stress, comment tous les gens vous aiment quand leur compte en banque gonfle, mais une seule perte suffisante à quelqu'un d'entre eux pour commencer à donner des coups de fil hystériques. Elle voulait le bien de ses clients Je vous remercie, pas d'autres questions. Monsieur Duncan Est-il vrai, Miss Train, que vous aviez perdu la majorité de vos économies dans l'une des dernières opérations boursières de la victime <coughs> Oui, des opportunités e-tech. Et vous étiez furieuse parce que vous avez réalisé qu'après tout, elle n'était pas une si bonne amie. Objection, sujet à controverse. Objection accordée. Continuons, maître. Pouvez-vous dire à la Cour ce que vous avez ressenti en perdant votre argent J'étais bouleversé. Mais j'avais fait de l'argent avec Jenny dans d'autres transactions. N'est-il pas vrai que vous avez laissé une note dans l'immeuble de la victime la suppliant de vous rencontrer Oui, mais je... Et avec une perte de ce genre, moi aussi, je serais devenu hystérique. Votre honneur Rejeté. Rien de plus. Faites suivre, votre honneur. Dans son bureau, on m'a dit qu'elle avait pris un congé, mais ensuite j'ai lu qu'elle avait été renvoyée et je me suis fait de soucis pour elle, particulièrement quand elle m'a pas rappelé. Je vous remercie. Pas d'autres questions. Six ans environ. Bingo. Le 12 mai, elle était extrêmement malade. Monsieur Stanton m'a dit qu'elle avait mangé par accident de la morora. Il était trop tard pour la sauver. Sur la demande de Monsieur Stanton, j'ai mis un terme à sa vie en lendemain. Je vous remercie, pas d'autres questions. Monsieur Duncan Selon votre opinion, en tant que vétérinaire reconnu, le chien a-t-il absorbé de la morora pendant que M. Stanton était absent chez lui Objection, appel à conjecturer. Objection accordée. Continuons, maître. A votre avis, le chien a-t-il absorbé de la morora Ah oh oui, elle exhibait tous les signes d'intoximé chimique. Est-ce que c'est un fait fréquent dans votre profession Oui, ça arrive assez souvent. Surtout quand les maîtres ne sont pas à la maison. Rien de plus. Oui, il a dit qu'il n'en avait pas. On a récupéré de courts poils roux éparpillés partout qu'on a envoyés au labo criminel pour analyse. On a trouvé une plaque canine avec le nom Bingo inscrit dessus. Ce monsieur Stanton a rendu visite à une vétérinaire et nous a dit qu'il avait un chien appelé Bingo qu'il a fait incinérer deux jours après le meurtre. Je vous remercie, pas d'autres questions. Votre témoin, monsieur Duncan. Inspecteur, est-ce que mon client vous a menti quand il vous a dit qu'il ne possédait pas de chien? Non, pas techniquement. La plaque que vous avez trouvée dans le parc ne pouvait-elle être là depuis longtemps Objection, conjecture. Objection accordée. Veuillez répéter votre question. Est-il possible que la plaque canine que vous avez trouvée dans le parc était là depuis des jours ou même des semaines avant le meurtre Oui, c'est possible. Rien de plus. Les relevés de Stanton montrent quatre appels par jour passés depuis son bureau à la maison de la victime durant les deux semaines précédant le meurtre. 150 000 dollars. Monsieur Stanton a dû vendre la plupart de ses possessions pour couvrir les appels de marge existants. Son relevé bancaire lui a montré qu'il était bien près de l'insolvabilité. Merci. Le témoin est à vous. Votre témoin, Monsieur Duncan. Est-ce que M. Stanton et Genius avaient déjà collaboré dans leurs affaires Oui. Quand il était à LNG, il a fait 14 gros investissements dans des actions et des offres initiales broquées par Miss Ruth aux investissements Gower. Et comment ces investissements ont-ils marché Très bien, M. Stanton a réalisé de gros bénéfices. Alors c'était sa première perte sur l'une des transactions de Genius Oui. N'est-il pas vrai que le jour où le marché boursier a été suspendu à cause de CityPO, beaucoup de gens auraient eu un bon... Objection, conjecture. Accordé. N'est-il pas vrai que le jour où les opérations ont été suspendues à cause de ces offres initiales, le marché boursier a baissé de 9% et beaucoup de gens ont perdu d'énormes sommes d'argent sur leur placement Oui, je crois que c'est vrai. Je vous remercie, je n'ai plus de questions à poser. Son indifférence, je dirais, suggérait un déni. C'est une réaction courante à un traumatisme psychologique. Non, mais il s'est senti terriblement coupable de la perte financière subie par ses collègues. Il fallait bien que le blâme soit dirigé quelque part. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Votre témoin, Monsieur Duncan. Diriez-vous que M. Stanton est un homme qui pourra s'accommoder du risque inhérent à ce travail Oui, mais quand la perte ne peut être rectifiée comme il se doit, l'ego s'en trouve écrasé. Quelquefois, une panique réprimée peut conduire quelqu'un à prendre des risques irresponsables. L'état de panique peut être transféré à la vie quotidienne, en dehors du cadre professionnel. Mais M. Stanton n'avait aucune raison de penser qu'il ne serait pas capable de récupérer ses pertes comme il l'avait fait déjà souvent, n'est-ce pas Pas nécessairement. Le marché n'offre plus la garantie de voir ses coffres réapprovisionnés. Est-il possible que la culpabilité témoignée par M. Stanton soit liée à des sujets personnels Comme par exemple de n'avoir pu empêcher son chien bien-aimé de pénétrer dans une armoire où on avait entreposé de la morora Je suppose que oui. Je vous remercie. Le témoin est à vous. Le chagrin lié à la perte de son chien s'est exprimé avec un sentiment de vif remords. Oui, tout à fait. C'était comme si son chien avait été un sacrifice qu'il avait dû faire à contre-coeur. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Votre témoin, monsieur Duncan. Euh, pas de questions pour l'instant. Vous pouvez descendre. La mort a été causée par strangulation. Elle avait un larynx écrasé et une trachée fracturée. La profondeur des marques de strangulation s'accentue légèrement vers le haut, comme si l'agresseur l'avait attaquée par derrière. Les marques de strangulation étaient inhabituelles et correspondaient à une sorte de chaîne. Elle avait le poignet gauche cassé. Sur le poignet, une montre quartier avec un cadran brisé indiquait 5h15. Ceci concorde avec mon estimation de l'heure du décès. Je dirais que oui. La montre a heurté quelque chose avec une force extrême. Je doute que les fêlures se soient produites lors d'une chute sur un sol qui est somme toute recouvert d'une moelleuse couche de poussière. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Votre témoin, Monsieur Duncan. Euh, pas de questions pour l'instant. Vous pouvez descendre. Objection. Controversable. Le parquet importune le témoin. Objection acceptée. En filant le suspect le jour en question, je l'ai vu entrer dans la clinique vétérinaire du Royaume Animal. 15 minutes après environ, il en est sorti en portant une petite boîte recouverte de papier d'emballage. Merci, le témoin est à vous. Votre témoin, monsieur Duncan. Euh, pas de question pour l'instant. Vous pouvez descendre. Mes analyses ont démontré que les deux échantillons proviennent du même animal, un chien. Ce qui veut dire que ce chien était présent à un certain moment chez le prévenu et qu'il a été en contact avec la victime juste avant sa mort. Le sang de la victime contenait des traces d'un antidépresseur, le Paxil, et aussi un très haut degré d'alcool. Nous avons aussi trouvé des traces d'allergènes. Nous avons analysé la salive séchée trouvée sur le visage de la victime et confirmons qu'il s'agit de salive canine. C'est possible. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Votre témoin, monsieur Duncan. Euh, pas de questions pour l'instant. Vous pouvez descendre. Votre honneur, sans possibilité d'asseoir le mobile du crime et sans pièce à conviction viable quant au meurtre de la victime, j'ai qualité d'agir pour que ce procès soit renvoyé. Désolé, monsieur Duncan, le cours est ajourné. Nous vous reconvoquerons pour entendre l'argument de la défense. Donc, lui et beaucoup d'autres spéculateurs ont perdu de l'argent ce jour-là. Il avait un chien qu'il adorait, qui peut avoir essayé de se frotter à la victime avant qu'elle ne le pousse. Euh, plus grave, vous avez une identification par un vendeur de café que Duncan a réussi à ébranler. Stanton et la victime ont-elles eu des relations en dehors de leurs activités professionnelles pendant qu'il était à LNG Vous voulez dire qu'il y avait peut-être à tous les coups de fil à la victime une raison autre que ses pertes sur Bionorme Qu'est-ce qu'on a dans les dossiers Ils sont encore en train de travailler sur des éléments concernant Stanton. Ils ne devraient pas tarder à nous contacter. La victime savait peut-être des choses qu'il concerne, euh, qu'il ne voulait pas qu'elle raconte aux fédéraux. Nous devrions un peu pressurer les fédéraux pour savoir quel arrangement Ross devait passer avec eux. Le mobile de Stanton et leur enquête sont peut-être liés. L'ordre du jour des fédéraux n'inclut pas les intérêts juridiques des contribuables de New York. À la place, mettez donc la pression sur l'avocat de la victime. Son avocat nous a dit qu'elle avait peur. Ce n'était peut-être pas uniquement de Stanton. Alors trouvez-moi ça avant de revenir au procès. Ouais, euh, il a l'appareil. Euh, ça serait bien de trouver quelqu'un qui puisse nous donner plus d'informations sur Stanton. Essayez de voir si quelqu'un d'autre peut nous en parler. Oui, C'est Donovan. Nous avons suivi la trace en papier des transactions de Stanton quand il était au syndicat. Il s'avère que votre victime, Jenny Rose, était pendant une brève période broker dans une firme qui s'occupait de la caisse de retraite de l'union syndicale, la DNP Brokerage. Elle maniait beaucoup d'investissements financiers que Stanton faisait pour l'UTP. Aucune information sur la raison de son départ. Oh, oui. Et j'ai droit à un gros bisou pour cette petite nouvelle. Cette société DNP est l'une de celles sur lesquelles les fédéraux enquêtent pour fraude fiscale. Vous voyez le tableau, les gars Parce que moi, j'en vois un. Hein. Hé, Donovan à l'appareil. On est finalement arrivé au rapport des transactions financières de Corcrane. Il s'avère que son alibi se confirme. Il a fait quelques opérations entre 5h et 7h le matin du 10 mai. Je ne sais pas si cela peut vous aider maintenant, mais j'ai pensé que vous voudriez savoir. Il s'avère que l'une des places précédentes où Jenny Russ a travaillé, la DNP Brokerage, a aussi fait l'objet d'une enquête de la part des fédéraux. Et pas seulement son dernier employeur, Gower. Les brokers comme Jenny ont tendance à passer d'un endroit à un autre. Apparemment, et pour autant que cela concerne Alan Greenspan, tous les profits de Wall Street sont douteux. Je n'en sais rien, mais elle prétendait que cela pourrait l'aider à obtenir un arrangement avec les fédéraux. Non, mais ça ne me surprend pas. Jenny était fine. Le monde de la finance ne favorise pas les relations confiantes. Et si Jenny était en train de tomber, elle allait probablement entraîner dans sa chute certaines de ses relations. Je n'ai jamais eu l'occasion de le découvrir. Non, franchement, je ne pense pas que ce soit de Stanton qu'elle avait peur. Elle ne me l'aurait pas dit jusqu'à ce qu'elle soit sûre d'avoir la protection des fédéraux. Par protection, j'entends qu'elle n'avait pas uniquement peur d'aller en prison, elle craignait pour sa vie. Il est possible que je ne sache pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens avec qui elle espérait négocier savaient pourquoi eux. Si vous avez des amis au bureau de l'avocat général, Essayez si de les inciter à compléter les détails. Il y a une femme que je connais. Nous étions employés ensemble à Washington. Essayons de la joindre à l'heure du déjeuner. Nous savons que votre enquête criminelle porte sur plusieurs sociétés avec lesquelles Jenny was travaillait. Sans parler de celles avec qui elle ne travaillait pas. Qu'est-ce qu'on aura en échange On a un agenda électronique que Ross gardait précieusement dans un coffre. On pense que Cochrane a essayé d'effacer un tas de données, mais on a un fil conducteur jusqu'à Stanton, à partir de quelques fichiers qui étaient encore intacts. Nos techniciens sont très bons dans la récupération des données perdues. OK. Écoutez. En New York, vous volez une voiture et vous pouvez en avoir pour 15 ans. Vous volez de l'argent à des petits épargnants et on vous tape sur les doigts. Et vous avez peut-être droit à une amende. Un bon nombre de ces valeurs spéculatives donnait le doigt aux gros joueurs, aux banques d'investissement et à leurs analystes d'imprimer des billets de banque. Nous ne sommes pas les seuls à examiner les manipulations du marché. Constantin dirigeait les fonds de retraite de l'UTP. C'est Ross qui s'occupait en fait de toutes ces tractations. L'Union a fait d'énormes bénéfices. Comme un tas d'épargnants, j'en suis sûre. Oui, mais tout le monde n'a pas ses propres gars travaillant de l'intérieur. Le Pègre s'est fait une spécialité de crime de col blanc. Ils ont, à l'intérieur même, des sociétés de moyenne importance comme le DNP, leur propre brokers manipulant les nouvelles transactions. Les actions microcap, enfin tout ce que vous voulez. Leurs gars ne sont pas différents des publicités d'Arman et très haut de gamme. Des syndicats comme le UTP ont un tas de fric pour faire rouler le ballon et entuber des petits épargnants. C'est pas un problème. Nous aurions bien aimé découvrir celle-là avant qu'elle ne finisse à la morgue, mais elle aurait dû savoir jouer le jeu. Vous connaissez un syndicat routier non infiltré par la pègre Mais il ne me citez pas sur le sujet. Votre petit agenda électronique peut nous aider à parvenir aux truands qui ont infiltré le UTP et les autres maisons de placement qu'ils utilisent. Alors, vous nous le passez. Et moi Je vous passe un tuyau que vous pourrez utiliser dans le contre-interrogatoire de l'ex-femme de Stanton. Eva Stanton, c'est un témoin de la défense. Elle aussi était très enthousiaste au sujet des opérations financières de votre victime. Peut-être qu'elle était aussi futée comme épargnante que son ex-mari. Peut-être qu'elle était juste futée de rester amicale avec lui après le divorce. Espérons que votre tuyau est solide, sinon je devrais faire citer vos dossiers d'enquête. Alors, bonne chance. La portée de l'affaire dont on s'occupe dépasse de beaucoup celle de votre. On ne laissera pas un cas d'homicide à Central Park compromettre deux ans de travail. Espérons seulement qu'elle nous a plus donné que nous ne lui avons donné. Nous appelons la Cour à l'ordre. Dans le dossier du ministère public contre James Stanton, nous demandons à entendre la plaidoirie de la défense. L'accusation cherche à vous faire croire que James Stanton a été poussé au meurtre de Jenny Ross parce qu'il avait perdu beaucoup d'argent sur l'une de ses transactions. Mais il y a beaucoup de gens dans le même cas. James Stanton, comme la plupart des gens à Wall Street, avait déjà fait l'expérience de la ronde de la fortune. Cependant, comme tout professionnel, il savait bien que c'est la patience et la conjoncture qui se révèlent fructueuses et non la revanche. La défense prouvera que James Stanton n'est pas coupable du meurtre de Ginny Russ. Il se trouve qu'il l'a simplement vu dans le parc en promenant son chien. À votre Honneur, la défense appelle Charles Ryan. Monsieur Ryan, racontez, je vous prie, à la cour comment, le matin du 10 mai, vous avez découvert la victime. Bah, je ramassais, euh, comme chaque matin, des détritus dans cette zone et j'ai vu la femme derrière des arbustes. Quelle heure était-il bah, Environ 6 heures du matin. Aviez-vous déjà vu la victime avant de... Objection, présomption sans preuve. Objection rejetée. Le témoin peut répondre à la question. Ah ouais, j'avais l'habitude de la voir courir. On parlait de temps en temps, on se disait bonjour, des trucs comme ça, quoi. Est-ce que vous avez vu la victime vivante le matin du 10 mai Ouais, je l'ai vu à côté du réservoir en train de parler à une femme et malgré tout, j'ai pas très bien vu le visage de l'autre femme. Vous n'aviez jamais vu le prévenu auparavant, n'est-ce pas Jamais. Je vous remercie. Le témoin est à vous. Bah survêtement, des sneakers, la même chose que la plupart des gens Certainement, c'est vraiment la foire parfois. Je vous remercie, pas d'autres questions. Comme nous en avons débattu au préalable, la défense souhaiterait faire appeler Bart Cochrane comme témoin à charge. Monsieur Cochrane, depuis combien de temps connaissez-vous la victime Six ans à peu près. Est-il vous amant Oui, mais nous avons rompu quelques mois avant sa mort. Et est-il vrai que Ginny Russ ne voulait pas admettre que tout était fini entre vous qu'elle vous traquait avec ses emails et ses coups de fil pour vous demander de revenir à elle. Jenny était tendue. Voilà tout. Tendue au point de prendre des antidépressants. Objection, l'avocat de la défense importune le témoin. Objection accordée. Saviez-vous que la victime prenait des antidépressants Si Jenny prenait des antidépressants, je dirais que c'était plutôt à cause du stress dans son travail. Saviez-vous que Jenny Ross faisait l'objet d'une enquête sur ses activités financières dans son dernier poste Elle m'a dit que c'était parce qu'elle avait quitté son boulot chez Gower. Quand était-ce La nuit avant sa mort. Nous avions dîné ensemble. Étiez-vous familier avec la routine sportive de la victime Oui, mais comme beaucoup d'autres gens. Mais vous étiez furieux contre la victime quand vous l'avez déposée à son appartement la veille du meurtre. Objection controversable. Le défendeur importune le témoin accordé vous êtes-vous querellé avec la victime quand vous l'avez déposée à son appartement la nuit précédant le meurtre je ne m'en souviens pas je vous ai dit que jenny était très tendue je vous remercie le témoin est à vous j'étais à la maison en train de vérifier sur l'internet les marchés européens L'accusation est prête à présenter comme pièce à conviction une copie des relevés des fichiers électroniques de M. Cochrane. Ils indiquent que des transactions ont eu lieu à partir de son numéro de téléphone privé au jour et à l'heure du meurtre. Nous allons y établir des conditions. Je vous remercie, pas d'autres questions. La défense appelle James Stanton à la barre. Le jour où Jenny Ross est morte, est-ce que vous l'avez vue à Central Park Par hasard. Je promenais mon chien, elle s'entraînait. Euh, je me suis arrêté pour lui dire bonjour. La tactique d'intimidation employée par les policiers ne vous a-t-elle pas... Objection, le témoin est influencé. Objection accordée. Veuillez répéter votre question. Vous avoir dit à la police que vous étiez chez vous ce matin-là. Ah, C'est une erreur, je sais bien. Mais mais j'ai eu peur. Ils étaient très intimidants. Pouvez-vous nous raconter la teneur de la conversation que vous avez eue avec Jenny dans le parc J'avais essayé de joindre Jenny par téléphone. Je voulais son avis sur le fait de vendre ou non les actions de Bionorme, sur lesquelles j'ai perdu beaucoup d'argent. Est-ce que Jenny a répondu à vos coups de fil Non. Moi et un tas de collègues, on était très nerveux. On a pris tous une belle peignée. Ce qui veut dire qu'il y avait plein de gens qui étaient... Objection. L'avocat cherche à influencer le témoin. Objection accordée. Veuillez répéter votre question. t il d'autres personnes que vous à avoir subi des pertes substantielles sur l'opération réalisée par la victime Il y en avait probablement des centaines. Que pensiez-vous du fait que Jenny Ross faisait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument prévenu certains de ses gros clients de se débarrasser de leurs actions bionormes avant la suspension du marché Je ne savais pas pourquoi elle avait quitté Gower, mais il y avait des, des rumeurs. Après ça... Je veux dire, après le meurtre, euh, il y a eu des articles dans les journaux et énormément de choses se sont sues. Que s'est-il produit d'autre durant votre conversation avec Jenny Central Park ben, Ma machine Bingo, elle aime bien les gens. Alors elle a fait ce qu'elle fait d'habitude. Elle a essayé de sauter sur Jenny pour se faire caresser. Bingo était une grande chienne. Quand elle lui a léché la figure, Jenny l'a employée et l'a rejetée. Elle m'a dit qu'elle faisait une élargie au chien. Je savais pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Non, rien du tout. Elle m'a dit qu'elle n'avait encore aucun renseignement sur ses actions et on s'est dit au revoir. Monsieur Stanton, vous n'aviez absolument aucun... Objection. On cherche à influencer le témoin. Accordé. Absolument pas. À l'occasion, on a fait des affaires ensemble, mais, mais c'est tout. Ce n'est pas moi qui... qui ai fait ça. Je suis habitué au haut et bas du marché. Je n'aurais jamais pu tuer quelqu'un pour une question d'argent. Je vous remercie. Le témoin est à vous. Environ 50 000 dollars. Oui, mais le marché général a commencé à décliner vers, vers ce moment-là. Je vous l'ai dit, il y a eu des bruits, mais elle m'a toujours paru honnête. <laughs> oui, j'ai fait à cette époque des affaires avec bon nombre de maisons de courtage. Objection, hors de propos. On en arrive au mobile du crime, votre honneur. Approchez-vous du banc du magistrat. Les hypothétiques incorrections financières réalisées dans le passé par la victime n'ont aucun rapport avec le fond de cette affaire. Le prévenu et la défunte avaient eu auparavant des relations professionnelles lorsque tous deux étaient employés dans des entreprises différentes. Ce sont ces incorrections qui nous fourniront peut-être une piste nous menant au mobile du crime. Et ce, bien plus que la perte financière subie par l'inculpé sur un seul placement. Je vous y autorise. Le témoin peut répondre à la question. Non, nah, pas du tout. Quand vous avez les fédéraux sur le dos, je suppose que rien n'en échappe. Na. Oui. 300 000 dollars. Ah, j'ai fait pas mal d'économies toutes ces années. J'étais un investisseur doué réellement. Et puis, euh, un investisseur chanceux. Non, euh, quelques-uns de mes investissements ont très très bien marché. C'était vraiment de très bonnes années pour tout le monde. Non. Je ne savais même pas que les rumeurs étaient justifiées jusqu'après le meurtre de Jenny. Cela apparaît au grand jour. Alors vous êtes tombé par hasard sur la victime le matin du jour où elle a été assassinée. Vous avez été vu vous querellant, accompagné de votre chien. Sa plaque d'identité a été retrouvée près du corps. Et puis accidentellement, le chien absorbe du poison. On doit l'endormir et l'incinérer après que vous ayez menti à la police sur son existence même. C'est bien ça. Votre honneur. Je vous remercie, pas d'autres questions. L'accusation appelle Eva Stanton. Madame Stanton, combien de temps monsieur Stanton et vous avez été mariés Nous avons divorcé il y a trois ans. Et durant cette période, votre époux ne vous a jamais parlé de... Objection, le témoin est influencé. Objection accordée. Veuillez répéter votre question. Durant cette période, votre époux vous a-t-il jamais parlé de Jenny Ross non, il ne l'a jamais fait. À l'époque de votre mariage, quand votre époux a commencé ses propres transactions, est-ce que ses affaires marchaient bien Oui, James était un investisseur prudent, ainsi qu'un soutien familial fiable. J'avais totalement confiance en James, si bien que nous n'avons presque jamais eu besoin de parler d'argent. Vous est-il arrivé de voir votre époux inquiet au sujet de ses propres placements Non. Votre époux n'a jamais agi de manière violente, n'est-ce pas Objection. L'avocat cherche à influencer le témoin. Accordé. Avez-vous déjà assisté à un comportement violent de la part de votre époux suite à une perte financière Jamais. James est un homme de caractère constant. Il était très confiant en ses propres capacités et je l'étais aussi. Je vous remercie. Le témoin est à vous. Oui. Eh bien, de temps en temps, il m'arrivait de demander à James des conseils au sujet de certains placements. Objection. Votre Honneur, les activités personnelles de Mme Stanton ne sont pas mises en cause ici. Le ministère public peut démontrer qu'après son divorce, le témoin a tiré profit d'un bon nombre d'investissements, les mêmes que ceux où l'accusé a choisi de placer son argent, y compris les offres publiques dont s'occupait la victime. Objection rejetée. Le témoin peut répondre à la question. Je ne sais pas. Je suppose que j'avais besoin de cet argent et j'ai décidé de vendre. Ça n'est pas interdit par la loi. Mais je ne la connaissais même pas. Non l'accusation rappelle au témoin qu'elle est ici sous serment votre honneur la cour exige la vérité madame stanton oui james me l'a dit objection je demande la permission d'approcher le banc du magistrat accordé on demande au témoin d'incriminer son époux ce qui est contraire à la légifération interdisant un témoignage matrimonial hostile votre réponse, monsieur les avocats? Les arguments de l'accusation sont fondés. Le témoin est prié de répondre à la question. Il a dit que cela l'aiderait à paraître innocent. Oui. Je vous remercie, pas d'autres questions. Monsieur Duncan Votre époux vous a-t-il dit que quelqu'un lui avait suggéré de laisser placer son argent et qu'ainsi il ne paraîtrait pas avoir mal agi Non. N'est-il pas possible que votre époux ait eu simplement peur d'avoir participé sans le savoir à une transaction douteuse et n'ayant pas voulu paraître coupable d'un acte pénal, il a décidé d'endosser sa propre perte financière et a voulu vous protéger, vous, de la perte de votre argent. Oui, James est un homme honorable. Je suis certaine qu'il s'est senti désolé pour moi. C'est tout. Rien de plus. Votre Honneur, la Défense demande une interruption. La Cour décide un ajournement. Nous vous reconvoquerons pour entendre les réfutations de procureur. Si Stanton a prévenu son ex-femme de retirer son argent de bionorme, mais y a laissé le sien et a encaissé ses propres pertes sans maudire, il devait y avoir une bonne raison. Son ex-femme a dit qu'il voulait paraître intègre. Vis-à-vis -vis de qui S'il devenait la cible d'une enquête fédérale, tout le château de cartes risquait de s'effondrer. Et ses cartes risquaient de révéler la piste menant tout droit au seuil d'autres personnes qu'il cherchait à protéger. Ou dont il avait peur. Allons voir si... Après avoir entendu les témoignages d'Eva Stanton, les partenaires de Stanton à LNG tiennent encore à chanter ses louanges. Ils ont peut-être envie d'arracher sa plaque de leur mur. Wade euh, ouais, à l'appareil. Euh, ça serait bien de trouver quelqu'un qui puisse nous donner plus d'informations sur Stanton. Essayez de voir si quelqu'un d'autre peut nous en parler. C'est Rawlins de l'unité de surveillance à l'appareil. J'en ai fini avec le rapport sur cette fripouille de Barnet Ruggiero. Vous les gars, vous pouvez me remercier. Merci d'avoir fait un saut. Je suis persuadé que vous serez intéressé par ce que j'ai vu. Je savais que si je filais assez longtemps cette racaille de Barney Ruggiero, je l'attraperais du mauvais côté de la loi. Je l'ai suivi depuis un petit restaurant en ville jusqu'au cabinet de Singh, Wolf et Singh, où il est resté dehors pendant un bon bout de temps. Quand Singh est arrivé, Ruggiero l'a suivi à l'intérieur. Quinze minutes plus tard, Ruggiero est ressorti du bâtiment. Singh a quitté l'immeuble au bout de quelques minutes et a pris un taxi pour les urgences. Aucune plainte n'a été déposée jusqu'à présent. J'ai l'impression que je vais aimer lire à M. Ruggiero la liste de ses droits. Je vous écoute. Je me les gèle et j'ai une pause qui arrive. Qu'est-ce que je peux vous dire Les avocats, 600 si balles de l'heure, ça me repousse le poil. Il va falloir qu'on vous parle au commissariat cette fois-ci. Est-ce que j'ai le choix Que pensez-vous de avec ou sans menottes Je connais pas ce type. Rien, j'ai reçu un coup de fil me disant d'être sûr, fermerait sa gueule sur ce qu'il savait de cette fille morte et de l'union syndicale. Je ne lui ai pas vraiment fait mal, je l'ai juste prévenu de ses droits. Je pose pas de questions, c'est pas sain si je veux vivre longtemps. Avec le dossier que vous avez, une agression criminelle, ça devrait vous valoir une chambre à Rikers pendant un bout de temps. À moins que quoi? Vous pouvez me tirer d'affaire avec l'histoire de l'avocat ou faut-il que j'appelle mon propre avocat Vous pouvez plaider un écart de conduite. Vous les gars, vous êtes désespérés. Mais je veux être protégé si je me présente à la barre. Vous vous foutez de moi Le crétin avait besoin qu'on lui fasse le leçon mais même il n'arrivait pas à assumer. Il m'a appelé après et m'a dit ce qui s'était passé dans le parc ce matin-là. Prenons sa déclaration et amenons M. Ruggirio à la barre des témoins. Non, ils doivent penser que je sais quelque chose d'incriminant sur leurs activités. Non. Nous avions un rendez-vous prévu pour le jour où elle a été assassinée, et je pense qu'elle voulait me demander mon aide. Mais je n'en suis pas sûr. Merci de nous accorder votre temps. Je ne vois pas comment cela peut nous aider. Nous devons nous concentrer sur l'affaire contre Stanton. Nous avons pensé que vous aimeriez savoir ce que votre copain Stanton savait de cette affaire bionorme. Assez ah, pour que je sois encore en train de ramper pour sortir du trou noir. Il semblerait que Stanton savait à l'avance que les actions allaient piquer du nez. Il a prévenu son ex-femme de vendre ses parts. Mais Stanton a perdu plus que nous tous. On dirait qu'il avait ses raisons. Quoi, par exemple J'aimerais bien des les fédéraux, ils sont là à fouiner pour découvrir tout ce qui est possible sur les irrégularités boursières. Vous, vous cherchez des renseignements sur Stanton. Eux, ils cherchent des renseignements sur Stanton. Vous savez comment ça marche. Commencez à retourner une pile de saleté et tôt ou tard, la puanteur vous submerge. Ouais, bien sûr. Vos bonnes paroles et deux centimes vont me procurer un amende de 100 000 dollars et la perte de ma licence. Sans parler éventuellement d'une peine de prison. Comme quoi, l'immunité judiciaire Si vous réussissez, si vous me garantissez longue vie, je pèserai ma décision. Qu'est-ce qu'il veut Si les renseignements conduisent à un acte d'accusation, je pourrais probablement lui avoir l'immunité judiciaire et une escorte de sécurité. Je dois juste vérifier avec mes supérieurs et je vous fax la réponse. Il y a une faible chance, mais espérons qu'elle pourra nous lancer une corde. Si vous êtes disposé à me promettre que je ne passerai pas ma vie dans des motels au bord de la route, un pistolet chargé sur mon matelas, je serai prêt à vous donner ce que vous voulez sur Stanton. D'accord. Dites à vos amis de la justice que je témoignerai. Vous allez épingler Stanton. Ils auront leur procès à la Une du Times et moi je lirai des articles sur le sujet dans Le Monde, dans le sud de la France. Tout le monde cherche un radeau de sauvetage ces jours-ci. La cour est réunie en séance. Le procureur est appelé à présenter ses témoignages de récusation. Stanton et Russ ont fait des affaires ensemble pendant des années. Quand il travaillait à l'union syndicale, elle lui jetait de temps en temps des eaux à ronger pour s'être positionnée très fort dans les offres publiques qu'elle lançait. Ça n'était pas à sens unique. Les commissions qu'elle recevait de l'union étaient très substantielles, elle en rejetait une partie sur Stanton. Elle faisait des à l'union quand les actions commençaient à se sentir mauvais. Stanton avait l'air d'un génie des finances. Et pourquoi non, ça marchait pour tout le monde Ils ne se débrouillaient pas trop mal ensemble. Le problème était qu'ils croyaient que la caravane de ravitaillement allait rouler éternellement. Stanton avait peur que si elle faisait ça, les gros bras de l'Union allaient être après lui. Stanton était essentiellement un homme de paille. S'il était le ticket de Ross à un arrangement conclu avec les fédéraux, l'Union devait bien se douter que ça ne prendrait pas trop longtemps avant qu'il ne crache ses boyaux devant un scénographe. Stanton avait peur. Moi, bah, à sa place, moi aussi j'aurais eu peur. Je vous remercie, pas d'autres questions. Votre témoin, Monsieur Duncan. Monsieur Allen, pourquoi n'avez-vous pas dit à la police tout ce que vous prétendez savoir sur Monsieur Stanton lors de votre première entrevue avec eux <laughs> C'est facile, je ne voulais pas finir comme Jenny Ross. Je vous remercie, je n'ai plus de questions à poser. Il a travaillé pour l'Union au moment où moi aussi j'ai travaillé. On a eu quelques conversations tous les deux. Il y a moins d'un mois, c'est lui qui m'a appelé. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Il m'a demandé si je pouvais lui trouver un revolver. Alors je lui ai dégoté un joli petit 9 mm. On s'est rencontrés à côté du marché Handpoint. Il m'a réglé ce qu'il me devait. Il m'a dit qu'il ne savait pas l'utiliser. Il voulait que je lui apprenne. Alors je l'ai fait. Il m'a dit que c'était pour se protéger, vous savez, de personnes à qui il avait rendu des services. Je n'ai pas voulu savoir. Non, mais il m'a appelé un jour en braillant. Il m'a raconté qu'il l'avait essayé ce matin-là, mais que ça n'avait pas marché. Ouais, dans le parc, sur une bonne femme, le type était hystérique. Il m'a dit que le boulot avait été fait de toute manière et qu'il avait besoin d'un revolver en bon état de marche. Il a continué à brailler en disant qu'il allait devoir tuer son chien. Je lui ai dit de se calmer, de bien se cramponner et que je le rencontrerai dans quelques jours pour faire un échange. Objection, Votre Honneur. Ceci est clairement un commérage. Je demande que cela soit rayé du protocole. Votre réponse, messieurs les avocats L'accusation a fait une remarque pertinente. L'argument est rejeté. La déposition des témoins est admise. Aujourd'hui. Je vous remercie. Pas d'autres questions. Monsieur Duncan Monsieur Ruggiero, quel est votre travail à l'Union syndicale Sécurité. Sécurité, vous voulez dire comme frapper. Objection, sujet à controverse. Objection accordée. Veuillez répéter votre question. Que voulez-vous dire par sécurité Je m'occupe des gens. Est-il vrai que vous avez conclu un arrangement avec l'accusation pour ce qui est l'une de vos occupations délictueuses en échange de votre témoignage Oui Rien de plus. Le ministère public requiert une pause, votre honneur. Vous pouvez poursuivre votre réquisitoire. James Stanton était un homme paniqué parce qu'il percevait comme une menace imminente pour sa vie. Il devait faire taire Jenny Ross. Elle était sur le point de révéler aux enquêteurs fédéraux les pratiques commerciales frauduleuses de Stanton. Il a eu peur d'être très vite lui-même le sujet d'une enquête et que les gens qui avaient profité de ses pratiques illégales le tuent avant d'être eux-mêmes impliqués. Il portait un pistolet quand il l'a abordé à Central Park. Mais il n'a pas réussi à tirer avec. Alors il l'a brutalement étranglé dans la tentative de se sauver lui-même. Je suis persuadé que vous condamnerez James Stanton pour le meurtre de Jenny Russ. Vous avez ici entendu que James Stanton était un homme qui craignait pour sa vie. Mais il n'avait aucun moyen de savoir que Jenny Ross était en pourparlers avec les enquêteurs fédéraux. Quels que soient les agissements illégaux auxquels Jenny Ross s'est trouvé mêlé, cela implique des centaines d'investisseurs qui auraient tous eu de bons motifs pour la faire taire. Dans un cas judiciaire basé sur des preuves circonstancielles, il est clair que la notion de doute raisonnable demeure. James Stanton est peut-être coupable de convoitiser, mais il ne l'est pas de meurtre. L'audience sera suspendue pendant les délibérations du jury. Madame la présidente du jury, le jury a-t-il remis son verdict Oui, Votre Honneur. Nous prions l'inculpé de bien vouloir se lever. Sur le seul chef d'accusation de meurtre, quel est votre jugement Nous jugeons le prévenu coupable. Le jugement sera prononcé d'ici à deux semaines. La séance est levée. Cette cour est ajournée. Condamnation à vie sans libération de parole. Les jurés ont vu, dans la présence du pistolet, une intention de meurtre. Qui a dit un jour vous êtes maître de l'univers et le lendemain vous êtes fauché Probablement le même qui a dit un milliard par-ci, un milliard par-là. Et très vite, on en vient vraiment à parler d'argent. Stanton aurait dû conclure un accord avec les fédéraux et devenir témoin à charge dans l'enquête sur la pègre de Wall Street. Il est probablement plus en sûreté en tôle. L'argent ne vous achète pas des amis, mais il vous achète une meilleure classe d'ennemis.